Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici, je vois il y a des consécrations. Couple Bertin Amani. Et Djama Yandoukou Bertin Amani. Amène leurs enfants. Pierre, qui totalise 11 ans d'âge. Banadetam Totoyabo Pierre Mulanesha Miaka Kumina Moya. Et ma fille divine, 8 ans d'âge. Nam Totoyango divine, Mulanesha Miaka Mnani. Nous remercions notre Dieu. Jésus-Christ d'avoir gardé nos enfants. Jésus-Christ, consécration Guinée. Et notre consécration. C'est la écrit. Famille Marcel Kabengela. Djama et Andoukou Marcel Kabengela. Nous avons deux enfants à consacrer au Seigneur. Tukuna batoto bawiri bakutolea kwa Bwana. Holness Chofu. Holness Chofu. Deux ans. Miaka mbili. Greatness. Greatness. Mwenga. Cinq ans. Miaka tano. Qui sa consécration en Guinée. Une autre consécration. Couple Paulin Kalala. C'est écrit Djama Yandoukou Paulin Kalala. Rendons gloire à Jésus. Tunaleta utukufu kwa Yesu. Seigneur Jésus. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Pour les deux ans qu'il a accordé à notre fils Manel, donc Emmanuel. Njuu ya huyu miaka mbili aliweza kupatia mtoto wetu Emmanuel. Amen. Walete. Amen.
mkombozi wetu Yesu Kristo tazama tunakuwa na mtoto Manuel mbele ya uso wako kama aliweza kuonesha miaka 2 nijue wewe ni kwa mchungaji mwema aliweza mchunga hivi kwa imani tunamrudisha ndani mikono yako juu tunachose mikono kwa tabarikiwa na atakomea afya njema patia bazazi yake hekima ni kutokea ku mbinguni baba tumkomesha mtoto kufuatana ujumbe wakati ya mwisho tu wewe ulisema mufundishe watoto wakati bakingariba kidogo wakati batakomeaka batachaka nje ya Mungu tuone imani kama utafanya hivi mtoto naomba mtina ule mwanga mchungaji mwema na timu chema baraka Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo amen. Njema patia bazazi yake kimi na kutokea kumbingu papata kumkomesha kufuatana na ujumbe wakati ya mwisho tuone imani kama utafanya hiyo yote tunaomba tu tunaomba mjina ule mwenye kwa mchungaji mwema na chemche mabaraka Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo amen. Et là, nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole. Matthieu chapitre 21. Nous lisons dans Matthieu chapitre 21, verset 1 à 11. Du premier verset au 11e. Matthieu chapitre 21. Matthieu sura makumi mbili na moja. Verset 1 à 11. Mustari wa kwanja paka kumi na moja. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Na mwana punda pamoja naye. Détachez-les. Mwafungule. Et amenez-moi. Na munilete ebo. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez. Na kama mtu ananiambia kitu fulani mtajibu. Le Seigneur en a besoin. Bwana anaohitaji. Et à l'instant, il les laissera aller. Na pale pale kawaacha wakaenda. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Japo hii iliweza kufika ili ipate kutimilika ile nabii aliweza kutangaza. Dites
à la fille de Sion. Ambieni binti wa Sioni. Voici ton roi vient à toi. Tazameni mufalme wako anakuya kwako. Plein de douceur et monté sur un âne. Mwenye kuyala tele na upole na mwenye kupanda yuli ya punda. Sur un anon, le petit d'une ânesse. Yuli ya mwana punda, mtoto wa punda. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Wanafunzi wakaenda na kufanya ile Yesu aliweza kuamrisha. Ils amenèrent l'ânesse et l'anon. Wakaleta punda na mwana punda. Mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Na yulu yao wakaweka mavazi yao na wakamwikarisha Yesu yulu. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Na wengi wa watu walikuwa muile kundi wakatandika mavazi yabo munjia. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Na bengine bakakata matawi ya miti na bakayutandika mubarabara. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Hosanna kwa mwana wa Daudi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Abarikiwe yule mwenye kuya mujina la Bwana. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna pafazi pa juu zaidi. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, na wakati aliingia Yerusalema, toute la ville fut émue. Na tauni yote ikatenka. Et l'on disait: na walikuwa nasema, qui est celui-ci? Uyu ye ni nani? La foule répondait: na ile kundi, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Ni Yesu nabi wa Munazareti mgalilea yo. Amen. Amen. Tutakunjamisha bichwa na tutaomba Mungu. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Mokozi na Bwana wetu Yesu Kristo, tunakupikia asante kwa maandiko tunatoka mkusoma. Tunakuomba Bwana, we Mungu mzima uweze kutuma nabii huyu wakati ya mwisho, uweze kumpatia kufasiria kwa hii maandiko, utusaidie tupate kwa baminifu kile uweze kumpatia tupate kisemulula. Juu tunajua sababu kile njoo tunaweza kinaweza kutusaidia ndani ya mwenendo wetu wa Kikristo na ndani ya maisha yetu. Wewe mwenye kwa mwalimu mkubwa upate kushuka asubuhi ya leo ndani ya neno lako kupitia Roho Mtakatifu, upate kutufundisha Bwana. Juu neno lako linasema wakati ya mwisho hakutakuwa mtu atafundisha mwenzake, juu wote watafundishwa na Mungu. Tunatiria yote tafanikiwa ndani ya mikono yako, yote tunaomba na imani, mujina na kupita majina yote, jina ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Kama inapendeza Mungu kisha mkusaniko. Et si plaisir Dieu après la réunion. Tutaweza kuwa na mkusaniko ya badiakre na ba administrateur. Nous aurons une réunion avec les diacres et les administrateurs. Leo tutaweza kuleta mahubiri habari njema inakusema. Et aujourd'hui nous allons apporter une bonne nouvelle disant: quelle est l'attraction sur cette montagne? Ni vuto kani yulu ya yumlima. Ni kitu kani kiko na kokota bantu jubende kuile kirima. Qu'est-ce qui attire les gens afin d'aller à la montagne? Frère Branham on a semé vous mon message le saut de Pâques. Et Frère Branham dit ceci dans le message Mouri wa Pasca. Il y a le 10 avril 1965. Du 10 avril 1965. À page 4 paragraphe 15. À la page 4 au paragraphe 15. Et il dit ceci: maintenant, ça. Nous nous approchons de Pâques. Tunakaribia Pasca. Et pendant que vous cherchez vos passages et que vous les notez, na wakati le muna tafuta maandiko yenu na Mungu na yandika, je pense que la semaine qui vient est la plus la semaine la plus glorieuse. Na wazia usema hii jume kuna kuya njo wiki ya utukufu sana. Historiquement, kufatana na hadisi, de toutes les semaines de l'année, kuliko ile majuma yote ya mumwaka. Je pense que la plus glorieuse des choses que nous allons célébrer là cette semaine. Najua ya kusema kitu kia utukufu sana kile tunaweza kusherekea katikati ya hii wiki. La semaine prochaine. Hii wiki kunakuya. C'est l'événement le plus important qui se soit jamais produit sur terre. Ni tukio kubwa ile liweza kutendeka pa hii dunia. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse dépasser. Na wazia hakuna kitu kile kinaweza kushindia hii. Qui puisse dépasser ça. Vous direz. Mutasema. Eh bien, la crucifixion, mzuri, ile kusulubishwa, c'était glorieux. Na yo ilikuwa ya utukufu. Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont morts, beaucoup d'hommes qui ont été crucifiés. Na kuku batu ba mingi baliweza kufa, baliweza kusulubisha. Même à l'époque de notre Seigneur. Hata mwakati ya Bwana wetu. Mais il y en a qu'un. Lakini kuku tu ni paka un mmoja, seul parmi eux mmoja tu katikati yabo, qui est ressuscité des morts. Voilà ce qu'il a emporté. Oneni kile ye aliweza kuleta. Karamu ya Pasca njo karamu mkubwa katikati ya Bakristo. La fête de Pâques c'est la plus grande parmi les chrétiens. Ni kintu kani kiko na kokota bantu bende kule kirima. Qu'est-ce qui attire les gens afin d'aller à la montagne? Frère Bame on a sema mwi message quelle est l'attraction sur cette montagne? Frère Bame dit dans le message ni ukokoto kani kumlima. Ni amu le 25 juillet 1965. Du 25 juillet 1965. Et on a sema vie par page 2 paragraphe 5. Il dit ceci à la page 2 au paragraphe 5 au début. Nous envoyons
des salutations de la côte est à la côte ouest. Tukuna tuma masalamu yetu tangia kule juu na lamkiaka na kule juu kuna laria. À tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. Kubarafiki yetu bote katika Kristo bali beko natushikia. Nous envoyons nos salutations à Change José et à frère Bordes. Na tukuna tuma masalamu yetu ku Saint José na kwa nduku Bordes. Au groupe qui est là. Ku ile kundi yenye kuya pale. Nous envoyons nos salutations à Prescott, Arizona. Na tunatuma masalamu yetu ku Prescott kule kwa Arizona. Là dans les montagnes. Kule ku milima. À frère Léo Mercier. Kwa nduku Léo Mercier. Et à son groupe qui est là. Na ikundi yake yenye kuya pale. Attendons la venue du Seigneur. Kukongojea kuja kwa Bwana. Le 25 juillet 1965. A prêché le 25 juillet 1965. Ils attendaient la venue du Seigneur. Nous envoyons nos salutations à ceux qui sont réunis à Tucson ce soir. Tunatuma masalamu yetu kwa bale benye kwa ku Tucson I Mangaribi. Attendons la venue du Seigneur. Bekonongojea kuja kwa Bwana. Là à Chicago à ceux qui attendent la venue du Seigneur. Kule ku Chicago kwa bale beko nachunga kuja kwa Bwana. Là à la côte est à New York. Kule kungambo jua ikuna lamkia kule ku New York. Et au Connecticut. Na kule ku Connecticut. Au grand groupe qui sont là attendant la venue du Seigneur. Kule kundi kubwa yenye kuya kule kunachunga kuja kwa Bwana. Nous n'avons pas de place ici pour les faire asseoir. Atuna nafasi yenye kuenea hapa njoo kubekarisha. Aussi devons-nous simplement leur envoyer la parole. Vile vile tu tunapasha kubatumia paka neno. Au moyen du téléphone. Kwa njia ya simu. Nous envoyons nos salutations ce soir à frère Junior Jackson. Tunatuma masalamu yetu kwa ndugu Junior Jackson. Et à son groupe là à Clarksville. Na kule kundi yake kule ku Clarksville. Et à frère Riddle et à son groupe. Na kwa nduku Riddle na kundi yake. Sur la 62e rue. Kuile barabara ya 62. Qui attend de la venue du Seigneur. Beko nongoja kuja kwa Bwana. Et nous sommes assemblés ici ce soir. Na tuku benye kukusanyika hapa ya Mangaribi. Dans notre propre église au tabernacle. Ndani ya kanisa yetu binafsi mu maskani. Attendons la venue du Seigneur. Kukongojea kuja kwa Bwana. Manake le 25 juillet 1965. C'est-à-dire le 25 juillet 1965. Frère Branham aranza kongolea kuja kwa Bwana. Frère Branham attendait la venue du Seigneur. Kuja kwa pili kwa Bwana Yesu Kristo. La seconde venue du Seigneur Jésus Christ. Kama tunasoma hivi. Et si nous lisons ainsi. Tunajua sebote bale bale unasema Yesu alishakuja beko munkosa. C'est pour dire que tous ceux-là qui disent que Jésus est déjà revenu, ils sont dans l'erreur. Tunatoka mukusoma mu Matthieu chapitre 21. Nous venons de lire dans Matthieu chapitre 21. Tunaona ya kama ilikuwa ni siku moja spécial. Et nous voyons que c'était vraiment un jour spécial. Tunaona Yesu ekonenda kule ku Jérusalem. Nous voyons Jésus qui se rendait à Jérusalem pour aller à la fête de Pâques. Et nous savons que la fête de Pâques, si vous lisez dans Exode chapitre 12, c'est lorsqu'ils ont offert l'agneau pascal lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils ont égorgé l'agneau et ils ont pris le sang, ils ont appliqué sur les lenteaux. Et Dieu avait dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël. Et partout où je verrai les signes du sang, l'ange de la mort ne va pas frapper là-bas. C'était le dernier signe afin qu'ils puissent quitter l'esclavage de l'Égypte. C'est-à-dire ils ont offert l'agneau pascal. Et tout cela n'était qu'un type. Parce que l'agneau animal, c'était le type du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le véritable agneau. Lui, il n'ôte pas les gens de l'esclavage de l'Égypte. Mais il ôte les gens dans l'esclavage du péché. Et comme c'est à Jérusalem là où il y avait le temple. Et c'est là où on faisait la commémoration pour offrir l'agneau pascal. Et c'est pourquoi Jésus aussi s'est rendu là à Jérusalem. Parce il fallait que lui aussi étant un agneau pascal, qu'il soit aussi offert. Et nous voyons Jésus qui est arrivé à la ville appelée Bethphagé. Il a dit à ses disciples, allez au village qui est au devant vous. Et tel que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 21. Et vous allez trouver un âne avec un anneau. Arrivez seulement à les délier. Et si quelqu'un vous demandait où les amenez-vous?
Et dites-lui que le Seigneur en a besoin, il va vous laisser et vous allez me les amener. Pourquoi est-ce que Jésus s'est rendu à Jérusalem? Parce que nous voyons le temps était là où il devait être sacrifié dans les mains des pécheurs. Il devait aller à Jérusalem pour recevoir une mort honteuse. Parce que tous ceux-là qui étaient crucifiés, c'était vraiment des grands malfaiteurs parmi le peuple. Et lorsque les gens se disaient, nous ne voulons plus de parmi nous, là, on les crucifiait à la croix. Et Jésus savait que lorsque je pars à Jérusalem, on va me crucifier sur la croix. Pas à cause de mauvaises œuvres, mais parce qu'il s'est chargé de nos péchés. Il savait bien que les églises qui étaient à Jérusalem le haïssaient. Il y avait l'église des pharisiens. Il y avait des scribes. Il y avait des sadducéens. Il y avait des hérodiens. Il y avait les affranchis. Il y avait les cyrénéens. Tout ça, c'était des églises du temps où Jésus vivait. Ils enseignaient la parole de Dieu parmi le peuple. Ils parlaient lorsque le Messie viendra. Mais lorsque Jésus, qui est le Messie, est venu, et comme ces gens-là étaient aveuglés, ils disaient à leurs membres laïcs, disant que tout celui qui ira voir Jésus, nous allons l'excommunier de l'église. Et la parole de Dieu déclare, il est venu chez les siens, mais ils l'ont rejeté. Jésus qui est la lumière, il est venu aux siens, mais les gens ont mais les gens ont préféré les ténèbres plus que la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et si quelqu'un fuit pour écouter la parole de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a de bonnes œuvres, mais parce qu'il a de mauvaises œuvres. Parce que la parole de Dieu, c'est une lumière qui éclaire ceux-là qui sont dans les ténèbres. Et pour leur montrer leurs conditions. Il est venu chez les siens, mais ils l'ont rejeté. Et comme les gens de l'église l'ont rejeté, il a formé un petit groupe ayant des pauvres. Frère Branham a sommeillé mon message par page 8. Et Frère Branham dit ceci dans le message à la page 8. Quelle est l'attraction sur cette montagne? Il dit au paragraphe 33. Et il se constitua un petit groupe de gens pauvres. Et c'est ça qui était le groupe de Jésus. Des pauvres. Des pêcheurs. Des péagers. Des péagers. Des péagers. Les péagers ou bien les publicains. Les gens haïssaient vraiment ces gens-là. Parce que wakati on a ripisa ma taxe ni juma kota yende mukesi ya baromain, ça veut les baromain barikwa ben kutawala. Et lorsqu'il faisait payer aux gens les taxes, il se pour aller dans les trésors de Romains parce que les Romains dominaient. Bale bonte ba kuripisa ma taxe bantu abakuba penda kata kidogo. Et tous les péagers là, les gens ne les aimaient pas. Mais jo bale barikwa mon groupe ya Yesu. Mais voilà les
de croire ni kuamini, et de s'approprier tout ce qu'ils peuvent de cela na kubeba yote le banaweza kubeba muneno, et de s'en imprégner comme Marie qui était assise au pied de Jésus. Na kuibebe na kwa yabo sabi Maria ule alikuwa nekala kumikulu ya Yesu. Joel Nkunti ile vile ilianza kufuata Yesu. Et voilà le groupe qui suivait Jésus. Wakati bale balikuwa ndani makanisa beko na critiquer Yesu na kusema ya kama ana Masia. Et lorsque ceux-là qui étaient dans des églises critiquant Jésus qui n'était pas le Messie. Et comment tout ça bantu bote? C'est un homme ordinaire comme tout homme. Mais la kile bale bantu ba maskini parce que funda masomo. Mais ces gens-là qui étaient pauvres non instruits. Et les péagers et les autres. Bo balianza kuangalia huyu ndio mwenye kuya Masia. Et considérer que celui-ci, il est le Messie. Masia ni kusema Mungu anaonekana muntu. Le Messie ça veut dire Dieu manifesté dans un corps humain. Mungu prophète. Dieu prophète. Ndio ule beko naita Masia. C'est celui-là qu'on appelle le Messie. Kumi tunaona ya pale bantu baruweza kutayarishwa juu ya ile kintu. Et là nous voyons que ces gens-là étaient prédestinés pour la chose. Tunaona mwile wakati akukuye ma télévision. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de télévision. Akukuye ma radio. Il n'y avait pas de radio. Mais barijua je ya kama Yesu kona kuya. Mais comment est-ce qu'ils ont su que Jésus venait? Frère Bama nasema kulikuwa sa makelele mwa kidogo ranza kupita. Et frère Nanam dit, il y avait comme des tumultes qui passaient. Katikati ya pale balikuwa bene kuamini Yesu. Au milieu de ceux-là qui croyaient Jésus. Bana sema atakuya. Disant que il viendra. Sabile ye ni mwana mkondo wa Pasca. Et comme lui c'était un agneau pascal. Na kuko karamu ya Pasca inatafuta fuanikwa. Et bientôt là il y aura la fête de Pâques. Baraka atakuya tu. C'est-à-dire néanmoins il sera là. Bana sema vu mon paragraphe 37 mon message. Frère Nanam dit ceci au paragraphe 37 dans ce message. Maintenant nous voyons que beaucoup de gens qui avait compris. Na sasa tunaona ya kwa batu ba mingi bale waliweza kuelewa. Il n'avait pas de littérature comme nous en avons aujourd'hui. Akukukwe magazeti savile tuku nayo leo. Il n'avait pas de télévision ni de téléphone ni rien d'autre. Akukukwe ma télévision wala machombo savi au kitu kyokyote. À cette époque, mwile wakati, mais il y avait eu comme une rumeur qu'il allait être à la fête de Pâques. Lakini kuweza kwa sasa kelele moyo kusema yeye atakuya kuile karamu ya Pascha. En effet, beaucoup de gens étant spirituels, kwa hivi batu ba mingi benye kwa bakiro, savaient qu'il était cet agneau pascal. Balijua kusema Yesu ndio alikuwa ule mwana kondoo wa Pascha. Car il leur avait déjà annoncé les choses qui allaient arriver. Kwa maana Yesu alikuwa ashaka batanguria kubambia bitu bile bilipasha kufika. Et puis évidemment, na hivi sachant qu'il allait être là, benye kujua kusema anapasha kuya pale, et ayant pour lui l'amour tel qu'ils en avaient, ils l'ont attendu. Il y avait une foule qui probablement se pressait, se bousculait d'une porte à l'autre. Guettant de tous côtés car ils savaient que d'un moment à l'autre, il apparaîtrait. Il veillait. Balikuwa na kesha. Manake pale balikuwa bena mpenda Yesu. Sadi ceux-là qui aimaient Jésus. Balianza kwenda na kuelezana. Twendeni, twendeni. Ils allaient en disant, oh, allons-y, allons-y. Eko karibu na kuingia mu Jerusalem. Bientôt là, il va faire son entrée à Jerusalem. Pale balikuwa na mapendo tu ya Yesu. Jo pale balianza kwenda zaidi jo kwenda kumwangalia. Ce sont ceux-là qui avaient de l'amour pour Jésus qui sont partis pour le voir. Frère Bamandena kusema. Et frère Bamandena continue en disant ceci. D'autres se demandaient ce qui n'allait pas avec ces gens qui couraient d'une porte à l'autre. Na bengine balikuwa na juliza, nini ya endeke na abatu bena kimbia. Quelle est cette attraction? Ni uvuto kani? Avant tu veux connaître d'où? Où partent ces gens? Tournons avant tu veux connaître Kimbira, tu veux connaître d'où le Kirima? Nous voyons tout ce monde ici fuir aller à la montagne. Ni qui tu connais qui connaît pas Kokota Jubendere Akule? Qu'est-ce qui les attire afin d'aller là-bas? Et il regardait ici et là. Balkwan angaria apa na pale? Pour découvrir. Njua kuvumbula. Il paraissait chercher quelque chose dans l'attente de quelque chose qui allait arriver. Il y en a kana kuwa balkwan ongoje akusema kitu fulani kinaweza kunokana. Ah! Baminifu bakweli savile frère Branham tutasoma hapa. Et le véritable croyant tel que frère Branham le dit. Na leo ibalebe konongolea Yesu bene kwanda na mapendo ya Yesu. Et aujourd'hui tout cela qui attend Jésus ayant l'amour envers Jésus. Na pokila wakati beko na angara sema Yesu ataonekana mwe wakati au wakati ingine. Et aussi sont en train de guetter pour dire que Jésus viendra d'un moment à l'autre. Na beko ni titari sa juu ya ile mambo. Et ils sont en train de se préparer en conséquence. Oh comme je voudrais changer mon texte pour quelques minutes. Et dire ceci. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens qui attendent sa venue sont dans une grande attente et une grande expectative. Nous pouvons sentir cela. Cette
pression. Il est au sukumo. Elle cherche et surveille chaque mouvement. Et chaque signe. Elle le compare avec les Écritures. Et ceux-là qui attendent la venue de Jésus. Et aussi sont vraiment empressés. Oh, il a dit qu'il viendrait comme un voleur. Et s'ils entendent le bruit et les guerres. Oh, c'est le signe dont a parlé Jésus. Lorsque vous écouterez le bruit des guerres et les guerres, c'est-à-dire je suis à la porte pour venir vous prendre. Ils ont regardé, il y a maintenant des inondations dans des villes. Oh, ça c'est un signe. Qu'on puisse se préparer parce qu'il est prêt pour venir nous prendre. Et lorsqu'ils regardent les choses qui se produisent comme ceux-là qui se sont produits du temps de Sodome et Gomorrhe. Et il y a eu maintenant l'homosexualité. Et les femmes se marient entre elles. Dans l'église, catholique, on a légalisé cela. Et ceux-là qui attendent la venue de Jésus disent que ça c'est un signe. Ils regardent cela en se référant aux Écritures. C'est un signe comme cela s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe. Et ce qui était du temps de Lot. Et ils sont en train de se préparer à cause de ça. Et ils ont regardé dans le monde, l'amour a diminué. Les gens même dans l'église n'ont pas l'amour comme le monde. Et ils se disent que ça c'est un signe. Ils montrent que le retour de Jésus est imminent. Et ils commencent à se préparer. Et c'est comme ça que ceci aussi s'est préparé lorsque Jésus voulait entrer en Jérusalem. Et quand ils ont vu toutes ces choses qui avaient été prédites à son sujet s'accomplir jusqu'au bout. Na wakati baliona bile bitu baritanguria kusema njuu yake binaanza kutimilika paka kumwisho. Ils ont su que la fin était proche. Balijua kusema mwisho na karibia. Ils voulaient être là. Baripenda na boba kuye pale. Aussi veillait-il. Na vile barikuwa na kesha. Une partie de la foule, une minorité était pour lui. Na sehemu moja ya kundi batu kidogo barikuwa njuu ya Yesu. D'autres étaient contre lui. Na bengine barikuwa na mkombanisha. La plupart d'entre eux, 90% étaient contre lui. Ba mingi katikati yabo pourcenti makumi tisa balikuwa na mkombanisha. Et tous ceux-là qui accouraient pour voir l'avenir de Jésus, 1% boule njo ilikuya ku ngambo ya Yesu. 1% seulement était du côté de Jésus. Ima 80% yo ilikuwa contre. Et les 99% étaient contre. Mais ils sont aussi partis. Nabo barienda tu yani. Ils sont partis là pourquoi? Tu as ku critiquer. Pour critiquer seulement. Tu as kona mankosa. Pour voir seulement les fautes. Tu as connu les mankosa ile itafanika pale juu bapate bia boku sema. Pour voir les erreurs qui vont se produire là afin de trouver. Et c'est comme ce qui se passe lorsque les gens entrent dans l'église. Il y en a d'autres qui sont venus pour voir Jésus. Il y en a d'autres qui sont venus pour que Dieu puisse assister leur vie. Parce que le seul qui peut changer la vie des gens, ce n'est que Jésus-Christ. Le seul qui peut remplir les gens du Saint-Esprit, ce n'est que Jésus-Christ. Mais il y en a d'autres qui viennent pour voir les erreurs. Et lorsque le prédicateur va monter en faisant des erreurs, ils prendront cette erreur. Et toutes les bonnes choses qui vont se produire ici, ça ne les concerne pas. C'est le mal qu'ils vont emporter. Et c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu religieux. Quand on arrive vraiment à la parole et à Christ, il y a environ 1% qui croit cela. L'autre partie n'accorde absolument pas d'attention à cela. Peu importe ce qui a été fait, ils s'en moqueront. En quelque sorte, ils claqueront la porte à cela. C'est tout à fait pareil. Le temps, wakati, les choses ne changent pas beaucoup. L'histoire ne fait que se répéter. Bien, nous voyons que cela causa une tension nerveuse. Il le fallait. Cela devait arriver. Ils attendaient. Ils se demandaient ce qu'il ferait quand il arriverait là. Ils désiraient être là pour bénéficier de tout ce qu'il
allait faire. Il voulait cela. Il voulait voir cela. Il croyait en lui. D'autres avaient entendu dire qu'il allait venir. Et ils s'étaient rendus là pour se moquer de lui. Donc, après toute cette énervante attente, par un jour très exceptionnel, un temps très exceptionnel, les églises dormaient. Les nerfs de gens étaient à fleur de peau. Beaucoup de gens étaient là et finalement cela arriva. Parlez par un Congolais. Et ceux-là qui attendaient. À un certain moment, ils ont entendu seulement oh, le voilà, il arrive. Parlez par un Congolais en Afrique. Et ceux-là qui attendaient avec toute joie, disant qu'il fera quelque chose afin qu'on puisse en bénéficier, ils étaient dans la joie. Et maintenant, ceux-là qui étaient contre, ils disaient oh, maintenant, lorsqu'il est là, on peut voir quelque chose de mal. Et nous voyons quelqu'un d'un âge de 33 ans. Monter sur un anneau de couleur blanche. Parce qu'il y avait l'ânesse. Mais Jésus n'a pas chevauché l'ânesse. Il a chevauché l'anneau. Peut-être lorsqu'il était sur l'anneau, ses pieds touchaient le sol. Et Frère Branham dit ceci. Du sommet des monts des oliviers, un petit âne blanc. Na tokia kunchongo yale mlima mizeituni kwa katokia mwana punda mwa mweupe. Venant descendant la colline. Eko nakuya mkushuke ile kilima. Accompagné d'un groupe de gens qui criaient fanatiquement. Mwenye kushindikizwa na kundi ya watu bali walikuwa nalalamika kwa furaha kubwa. Arrachaient les rameaux des arbres. Bali walikuwa na tukunya ile mamatawi kumichi. Et jetaient leurs vêtements sur la route en criant. Na walikuwa natupa mavazi yabo mbarabara mkulalamika. Hosanna au fils de David. Hosanna kwa mwana wa Daudi. Qui vient au nom du Seigneur. Uleko na kuya mjina la Bwana. Cette petite mule. Na uyu punda wa kidoko. Son cavalier n'était personne d'autre que le Messie de Dieu. Na ule alikuwa mwenye kumpanda alikuwa mtu achikukwe mtu mwingine isipokuwa masia wa Mungu. Moins pour 7 heures. Mwenye kupakwa mafuta njuu ya ile wakati. Wakati bantu banaona Yesu anaanza kuingia. Et lorsque les gens ont vu Jésus entrer. Bana kata matawi. Ils ont coupé les branches. Bananza kutenkeza wanasa Hosanna. Ils ont commencé à agiter disant Hosanna. Kwa mwene kwa mfalme wa Israel. À celui qui est le roi d'Israël. Mwene kuya mujina ya Bwana. Qui vient au nom du Seigneur. Oh frère. Oh nduku. Ingine matawi banatupa chini. Et il y a d'autres branches qu'ils ont jetées. Mwingine alikuwa na nkochi yake. Il y avait quelqu'un qui avait peut-être son manteau. Anaitupa pale chini. Il l'a jeté par terre. Jumbunda ule Yesu alipanda pate kupita hapo. Pour que l'anneau dessus lequel il y avait Jésus puisse passer par là. Alikuwa na furaha kabisa kabisa. Ils étaient vraiment dans la joie. Parce qu'ils savaient que c'est qui peut pardonner nos péchés. C'est celui-ci qui peut nous donner la vie éternelle. C'est celui-ci qui guérit. C'est celui qui guérit, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'il disait ainsi? Et si nous lisons dans Luc chapitre 19, verset 38 à 40, et la parole de Dieu déclare ceci. Luc chapitre 19. Luc 19. Verset 38 à 40. Mustari makumi tatu na mnane paka makumi ine. Il disait. Balikuwa nasema. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Abarikiwe mufalme mwenye kuya mujina la Bwana. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amani mumbingu na utukufu pafazi pa juu zaidi. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus. Na bafarisayo katikati ya ikuni ya ile kundi balikuwa namwambia Yesu. Maître, reprends tes disciples. Mwalimu kemea banafunzi yako. Tutonesa kinye bafarisiens baranza kukataria. Bantu bachisema Yesu ni mfalme wa Israel. Nous allons montrer la raison pour laquelle les pharisiens interdisaient aux gens de dire que Jésus est le roi d'Israël. Bananza kuleza Yesu. Nyamashisha banafunzi yako shikia bile bego nasema. Fais taire tes disciples, écoute ce qu'ils disent. Et il répondit, Jésus répondit. Na Yesu akajibu. Je vous le dis. Na waambia. S'ils se taisent. Kama boba nekala kimya. Les pierres crieront. Mawe yo italalamika. Kama boba na nyamasha. Et si les disciples se taisaient.
Ce sont les pierres qui vont maintenant crier. Voyons d'abord qu'est-ce qui a irrité les pharisiens. Et lorsqu'ils ont entendu les gens crier le roi d'Israël, qui est le roi d'Israël? Si nous regardons dans Ésaïe chapitre 44, verset 6, il est dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. Il y a ces mots à milieu, mon falme roi d'Israël, il n'a pas composé waké. Maintenant que les pharisiens vont comprendre mesure. C'est-à-dire les pharisiens ont bien compris. Comment avant-hier qu'on a été où il est, soit ce même mon falme roi d'Israël. Si ses disciples appellent Jésus qu'il est le roi d'Israël. Maintenant que on a mis ta semaine, il y a un jour le monde où mon badjou le roi milèle. C'est-à-dire ils disent que c'est lui le Dieu créateur, l'Éternel. L'Éternel des armées. Roi milèle roi majeshi. Je suis le premier et je suis le dernier. Niku wa kwanza na niku wa mwisho. Et oh moi, il n'y a point de Dieu. Na inje yangu hakuna tena Mungu. Maana yake huyu mwenye kumfalme wa Israel, c'est lui qui est le roi d'Israël. Yenjo mwenye kwa kwanza na wa mwisho. C'est lui qui est le premier et le dernier. Kisha inje yake hakuna Mungu mwingine. En dehors de lui, point de Dieu. Comme on a regardé dans Apocalypse chapitre 1 verset 18. Et si vous regardez dans Apocalypse chapitre 1 verset 18, utona Yesu kuna sema, et vous verrez Jésus qui dit, je suis le premier, niko wa kwanza, et je suis le dernier, niko wa mwisho. Maana yake ule Jehovah mwagano la kale, le Jehovah de l'Ancien Testament, ni Yesu Christ mwagano jipya, c'est Jésus du Nouveau Testament. Verset 8. Verset 8. N'ayez pas peur, musiwe na oga, et ne tremblez pas, na mushite temeke, ne te laisse pas dès le commencement annoncé et déclaré. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Mais mon 1 Corinthiens 10, 4, mais dans 1 Corinthiens 10, 4, il est dit, lorsque les enfants d'Israël marchaient, et ce rocher qui les suivait était Christ. Il y a ni Christ. Christ. C'est-à-dire, Christ ici, c'est lui l'Éternel. C'est lui le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans le Nouveau Testament. Lisons d'abord autre chose. Comment on a somme Ésaïe chapitre 43, verset 15. Si nous lisons dans Ésaïe chapitre 43, verset 15, il est dit ceci. Je suis l'Éternel, votre Saint. Le créateur d'Israël, Mumbaji wa Israeli, votre roi, Mufalme wenu. Ah, kumbi ba pharisiens ba shikia. Alors les pharisiens ont bien compris. Bale ba nafunzi ya Yesu bakona sema Mufalme wa Israël. Lorsque les disciples de Jésus disaient que le roi d'Israël, bakona sema ya kama u Yesu huyu. Ils disaient que c'est Jésus ici. Jo mwenye kuya wa milele. C'est lui qui est l'Éternel. Jo mwenye kuya le Mungu arumba mbingu na dunia. C'est lui le Dieu créateur des cieux et la terre. Anaonekana mwili ya bomundu. Il s'est manifesté dans la chair humaine. C'est pourquoi ils se sont fâchés. Mais les disciples de Jésus, et ils ont discerné que c'est lui. Parce que ni mambo inangalia ufunuo. Parce que c'est un problème qui concerne la révélation. Kumbi tunaona ya kama bantu baranza kulalamika. Et là nous voyons que les gens criaient. Mais on a sema Hosanna. Disant Hosanna. Bana kata matawi. Ils ont coupé les branches. Bana tupa manguo. Ils ont jeté les vêtements. Yesu na mpunda bana tembea pale yulu. Et Jésus avec l'anneau, ils ont marché dessus. Ilikuwa ni furaha kabisa kabisa. C'était vraiment une très grande joie. Frère Branham en a semé. Et Frère Branham dit, paragraphe 46. Au paragraphe 46. Que faisait alors Dieu? Nasasa Mungu alikuwa anafanya nini? Quelle est cette attention là-haut? Sur la colline? Ni ukokoto kani kule yulu, yulu ya mlima? C'est Dieu faisant l'histoire. Ni Mungu konaleta hadithi. Et Dieu accomplissant la prophétie. Mungu mkutimiza unabii. Et cela cause toujours une attention. Na ile naletaka paka ukokoto kani. Cela suscite tous les critiques. Na ile kunaleta ile magushimanga kote. Les vautours du message de ce matin. Na bale bakunguru ba ujumbe ya bayi asubuhi. Asubuhi ya 25 juillet 65. Le matin de 25 juillet 65. Frère Branham a prêché les oints du temps de la fin. Frère Branham avait prêché sur les oints du temps de la fin. Et c'est ce qu'il a parlé. Et les aigles aussi, voyez-vous. Ils se rassemblent pour découvrir ce qui se passe. Certains viennent par curiosité. D'autres viennent pour trouver des fautes. D'autres viennent pour critiquer. Des gens de toutes sortes se rassemblent. Comme nous l'avons dit ce matin, les croyants
les soi-disant croyants et les incroyants. Qu'y a-t-il sur la montagne? La prophétie s'accomplit. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe. Maintenant, dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 9, l'un des prophètes a parlé en esprit disant ceci. Sois transporté d'allégresse, ô fille de Sion, pour tes cris de joie, ô fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à lui, à toi. Il est juste, ayant le salut. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Manake, mon guaranza optimiza, il est prophétie, et comme Zacharie 9:9. C'est-à-dire, Dieu accomplissait la prophétie qui se trouvait dans Zacharie 9:9. Disant que, oh, toi, fille de Sion, Manake, Jérusalem. C'est-à-dire, Jérusalem, sois dans la Grèce, regarde ton roi, il vient à toi, chevauchant. Mais ces gens-là lisaient les Écritures. Ils ne pouvaient pas voir cela. C'est-à-dire, Dieu s'est révélé à ses enfants. Cela qu'il a préconnu dès avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens peuvent passer par la route. Ils disent, qu'est-ce qui attire les gens sur la rue 12 au numéro 50? Oh, Dieu est en train d'accomplir sa parole. Malachie chapitre 4. Il est écrit dans Malachie chapitre 4. Verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. C'est ce qu'il accomplit aujourd'hui. Dieu accomplit la parole qu'il dit. Là où se trouve le corps. C'est là où s'assembleront les aigles. Dieu est en train d'accomplir sa parole qui Zacharie 14:7. Zacharie 14:7. Vers le soir, nourrit ton la lumière paraîtra. Manéake, c'est-à-dire, le message, ce message, il est avait les disciples, les apôtres du temps de Pentecôte. Et quand il s'accomplit sur la rue 12 au numéro 50, c'est ce qui attire les gens en ces lieux. Amen. Amen. Dieu est en train d'accomplir sa promesse. Il a dit comme Paul 10, 1. Il l'a dit en Apocalypse 10, 1 à 7. La révélation de l'ouverture de cette sauve. Dieu est en train d'accomplir la parole de Dieu. La révélation du Fils de l'homme. C'est ce qui nous rassemble en ces lieux. Et la totalité de tout cela. C'est ce qui nous aide pour nous préparer. Parce que Jésus revient bientôt. C'est ce qui nous donne la bonne santé spirituelle. C'est ce qui fait que nous puissions prier. C'est ce qui fait que nous puissions louer Dieu. C'est ce qui fait que nous paraissons exaltés. C'est ce qui fait que nous devenons vivre. C'est-à-dire, il est le Dieu vivant. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être glorifié. Est-ce que vous croyez qu'il est parmi nous? Est-ce que vous croyez que vous êtes des enfants de Dieu? Alors, vous pouvez crier pour Jésus. Alors qu'on peut le louer. Il est le Créateur. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il va te guérir aujourd'hui. Il va te bénir aujourd'hui. Il va changer ta vie aujourd'hui. Il va bénir ta maison. Toi, tu es stérile. Tu auras des enfants. Et tu manques d'argent. Tu auras l'argent. Et tu cherches le boulot. Reçois le travail. Tu cherches. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu est parmi nous. Nous allons d'abord le louer. Nous allons chanter dans autre cantique. Numéro 42. Et puis nous allons chanter le cantique 69. Nous pouvons nous arrêter même ici. Et les autres choses, on va continuer après. Savez-vous les frères? Comme le frère Firenne disait, vous avez même pour sauter, exploser. Numéro 42. Numéro 42. Ça, on a qui sait, ma saf qui s'est tombé en 69.
Sawana Kisima San. Et puis nous allons continuer, enchaîner. Alléluia. Tomutukuse wa machapu. Louons l'Éternel. Bwana wa mabwana. Le Seigneur des Seigneurs.
Alléluia. Yeah.